Petite pause, il fait chaud. On va partir. Soit vous allez là-bas, soit vous quittez la manifestation, mais vous restez plus dans les environs. On peut pas finir notre canette avant d'y aller. On y va. On y va. Tu sais pas mettre ça dans ton sac, s'il te plaît. Mets ça dans ton sac, s'il te plaît. Mettez-moi une amende pour ça. Bon, voilà. Je ne sais pas ça, mais comment redescendre vers la gare tantôt? Vous avez voulu contrôler mon avis. Comment? Tantôt, on va redescendre vers la gare tantôt. Oui. Vous êtes sûrement croisé. Oui. Ok. Mais il n'y a pas de souci, je dis, si vous allez vers la gare, que vous allez à la gare, ça ne pose aucun problème. Donc vous arrêtez un peu partout ici, ça pose problème. Donc soit vous êtes à la manifestation, soit vous n'y êtes plus. Mais, en simple question, en quoi ça pose problème qu'on est assis là, qu'on boit notre canette? Justement, on s'assit pour boire parce qu'on sait qu'on ne peut pas marcher. Donc on se dit, on va se poser là 5 minutes. On dérange personne là, franchement. Moi je vous dis, madame, vous faites partie de la manifestation, c'est clair. Donc soit vous y êtes, soit vous n'y êtes plus. Mais vous n'êtes pas entre deux. Ouais, ça va, on y va. Ouais. Putain. On doit enlever la bâche. N'empêche, tu pourrais m'aider, un petit con. C'est vraiment un petit con, hein. Putain, je t'avais dit, pas traîner avec moi, c'est pour toi, toi. Ah, vous la reprenez? La bonne photo, il a dit. Tiens ça, 2 minutes. On va au commissariat? Non. C'est il vient de le dire? Non. Vous êtes d'accord, lui, sur la banderole? Oui, je vous la laisse. Vous voulez venir la rechercher? Non, vous pouvez la garder. Ah, c'est la banderole. Ouais, vous la gardez. Vous en ferez une autre? Dans le futur. Oh, il ne sait pas mieux. Tu filmes, là? Oui. Tiens. Aujourd'hui, hein. Non, j'ai pas la bonbonne avec moi, donc... Je vous lâchez parce qu'elle a fuité tantôt. Il y en a marre quand même, on peut même plus se promener tranquille. Non, mais c'est 7 ans, on sera beaucoup plus nombreux, on sera mieux. Voilà, on nous prend notre banderole. Regarde tous les gens, en fait, c'est des gars comme des moutons. On est où ici? C'est quoi ça? C'est la tour botanique. La tour des finances. Ah, la tour des finances. Tu crois quand? Ouais, je crois. Tiens ton sac. C'est lourd, non? Comment? Mais ça, je le garde, ça. Ouais, d'accord. Vous avez resté ici? Ouais, on peut pas rester. Ouais, partir, ouais. Franchement, déjà aujourd'hui, ça suffit. Au 10e 203, hein. Tu peux revenir et non, le 13, je reviens d'office. Sérieux? Vous avez gardé midi, je peux? Ouais, gardé midi, c'est un bon midi. C'est quand même fou, hein, pour deux. Une, deux, trois, quatre. Cinq, six. Ça va tirer. Les gars, on doit cavaler. Ciao. Viens avec nous, Steve. On peut plus rester là. Ouais, on va le faire. C'est quand même phénoménal.
bande de fils de pute. Après, on s'étonne qu'on en a rien contre eux. Bon. Il a dit là, de faire ma routine. Non, c'est bon, hein. Non, il demandait direction gare. S'il vous plaît. Rentrez chez vous. Il a dit, on peut plus être là. On peut plus être là. On doit rentrer chez nous. Et quand il nous dit de venir là. Alors, on se fait même escorter jusqu'à la gare. Ah ouais, c'est dingue quand même. On peut même plus rester dans Bruxelles. Ah, Roger, on n'a rien fait. Ouais, mais merde quoi. C'est pas normal. On va à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis droit à gauche. Et voilà, ça recommence. Putain, si c'est pas déconné ça. Tranquille, on retourne à la gare et on se fait encore arrêter. Franchement, c'est pas abusé. Vous savez que c'est de la bouche. C'est de la bouche. J'ai un avocat, faut lui parler de ça. Franchement, c'est déconné. 4 contrôles en 5 minutes. Non, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Bah, tu peux noter. Ouais. Non. Allez, c'est abusé. Hein. Putain, 3 contrôles en 10 mètres. C'est quoi, on se croirait à Paris, en fait. Comme la dernière fois. Franchement, comme la dernière fois. Mais c'est abusé, 3 contrôles en 10 mètres. Franchement, faut arrêter. Enfin, ici, ça va, ils sont moins nombreux, mais putain, non. Désolé, j'avais oublié les deux. Ouais, ouais, mais bon. Mettez-vous à notre place aussi. Eh sérieux, on peut pas se promener un peu dans Bruxelles, on est obligé de repartir. On en fait rien de mal. Franchement, on fait rien de mal. S'il vous plaît. Mais prévention de quoi? On n'est pas des mauvais. Enfin, on paye le train et tout, on vient à Bruxelles, on peut même pas rester, on est chez nous. Enfin, à mon avis, si vous allez jusqu'à la place Roger, ça c'est bon. Ça va. Et maintenant. On n'a plus rien, on n'a rien avec nous, nous. Non, mais son mégaphone avec un câble, ça, on a fait semblant qu'on n'a rien vu. Ok, mais bon. Ça va. Un câble, on sait plus ce que ça veut dire. Hein. C'est les lettres de l'alphabet. Hein. Ouais, c'est ça va. Mais allez, ça va, merci, au revoir. Un câble, on va te le laisser, mais un câble, on sait tout bien ce que ça veut dire. Et j'ai fait comme ça, parce que c'est les lettres de l'alphabet.